La robe est magnifique, la robe est rien à dire, allez tolé, ka, mokzou. Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ça sera un haul. Ce sera un haul de chez AliExpress. Donc je vais vous présenter des magnifiques pépites de là-bas. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, je vais vous présenter cette pépite que vous voyez sur moi. Alors, c'est une perruque de chez Aligrass Air. C'est un carré highlight, couleur highlight. Franchement, je pensais que ça allait pas m'aller parce que les couleurs comme ça, moi j'ai un peu peur. Mais bah regardez par vous-même. Enfin, moi j'aime bien personnellement. Je trouve que ça me va bien, que ça me fait un beau teint, que ça ressort mon teint caramel. Donc, comme je vous disais, c'est une perruque qui me vient de chez Aligrass Air. J'ai reçu la perruque dans ce petit sac. Voilà, avec deux bonnets de 8 caps et un petit carton qui explique comment, quand tu reçois la perruque, ce qu'il faut faire et tout. Du coup, voilà. Mais bon, il n'y a pas eu de petits accessoires, de petits bijoux pour cheveux et tout. Dommage. Franchement, dommage. Mais sinon, en parlant de la perruque, elle est super bien. Moi, je doutais de cette couleur. Du coup, si t'as une peau comme moi, n'aie pas peur d'acheter cette perruque et tout. Je pense que ça va t'aller aussi. Si ça me va, ça va t'aller aussi. C'est sûr. Voilà. Du coup, c'est une 14 pouces. Voilà. C'est du 4x4. C'est une closure. Oui, c'est une closure. Oui, c'est une closure. Oui, c'est une closure. C'est une closure, une 4x4, du coup. Et la densité est de 180%. Donc, voilà. Moi, j'aime trop la couleur. Hein. Franchement, la couleur, rien à dire. Moi, j'ai douté. J'ai douté. J'ai cru que ça allait pas m'aller. J'ai cru que ça allait faire des trucs bizarres. Parce que, vous voyez ce genre de perruque-là? Des fois, quand vous commandez, c'est pas la même couleur que sur la photo. Mais là, c'est vraiment comme ça. En fait, c'est vraiment comme sur la photo. Et c'est parfait. Parce que c'est ce que je voulais. Et du coup, j'ai eu ce que je voulais. Donc, n'hésitez pas à aller commander dessus. La qualité des mèches, elle est franchement incroyable. Elle est incroyable. J'ai décoloré les nœuds, j'ai pas eu de perte de cheveux. J'ai pas eu de perte de cheveux et tout. Franchement, la laisse, elle est. Enfin, la laisse. La closure, elle est pas difficile à manipuler. Genre, si vous voulez épiler un peu devant et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Et il n'y a vraiment pas de perte de cheveux. Et ça vient avec aucune odeur. Parce que des fois, quand vous commandez des perruques chez plusieurs compagnies, vous recevez la perruque, il y a une odeur chimique. Du coup, ça veut dire que déjà la perruque, la qualité, c'est mort. Mais là, il n'y a rien eu de tout ça. Pas eu de paire de cheveux, pas eu d'odeur. Franchement, c'est vraiment un 10 sur 10. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour regarder leurs différentes perruques et regarder ce qui vous plaît là-bas. Du coup, voilà quoi. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, pause. Vous bénéficiez bien sûr d'un code promo. Donc, vous bénéficiez d'un code promo valable du 25 janvier au 30 avril 2022. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter des vêtements là-bas, parce que plus le code promo, plus les beaux vêtements que je viens de vous présenter. Franchement, allez courir et vous inquiétez pas. Bah du coup, la robe que j'ai sur moi, la robe un peu chemisier, c'est une robe de chez AliExpress. Ah oui, hein, moi je savais pas que AliExpress faisait des beaux trucs comme ça. Franchement, je suis choquée. La robe chemise, bon, on va l'appeler la robe, ouais. La robe, franchement, je trouve qu'elle fait classe, c'est tout. Genre, c'est pas une robe comme les autres, vous voyez. Le petit côté chemise, ça rajoute un peu de la classe dans le vêtement. Genre, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais bon, malheureusement, je pense que c'est un peu transparent. Parce que le blanc, là, vous voyez le blanc que vous voyez ici, là. Et le blanc que vous voyez ici, c'est pas la même chose. Donc, si vous mettez des sous-vêtements fluo, sachez que ça va être le dawa. Voilà. Donc, en tout cas, rien à dire sur la robe. Elle est belle, les fils, comme d'habitude, vous-même, vous savez déjà, les robes avec fils, c'est mon dada. Mais sinon, franchement, la robe, j'ai vraiment rien à dire. Elle épouse les courbes et tout. Franchement, ça fait un beau rendu. J'aime beaucoup la robe. C'est du S, les tailles, elles sont bonnes, parce que chez AliExpress aussi, des fois, quand t'achètes une taille,
T'achètes une certaine taille, tu reçois la taille, elle est 1000 fois plus chic, mais là, j'ai pris du S et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du S. C'est de la bonne taille. La qualité, elle est bien. Elle est élastique. Ici, elle est élastique, mais ici, c'est chemise. Je sais pas si. Bon, vous voyez de toute façon la caméra, je pense. Du coup, voilà. Et attendez, je mets bien le col, histoire de bien faire classe. En commentaire, quelle note vous me donnez sur 10 sur cette robe? Est-ce que vous aimez? Vous avez intérêt de toute façon. Bref, prochaine tenue. Prochaine tenue, voilà. Une petite combinaison. Je suis Catwoman. Appelez-moi Catwoman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du coup, c'est une petite combinaison. Vous voyez les combinaisons qu'on voit partout, qui va jusqu'aux pieds. C'est super bien pour faire du sport ou même pour sortir comme ça. Je trouve que c'est hyper bien. En plus, je peux faire. Je peux sauter. Je peux sauter avec, c'est élastique. Franchement, vous êtes bien à l'aise dedans. Même si vous avez un petit bidon comme moi. C'est pas grave. Voilà. Au pied, ça m'arrive vraiment jusqu'à là. Les mains, ça m'arrive jusqu'à là. Du coup, c'est vraiment ma taille, quoi. C'est pas une petite arnaque. Et la qualité, 10 sur 10. Prochaine tenue. Prochaine tenue, donc voilà un petit ensemble pour faire un petit effet streetwear. Voilà, cet ensemble, je l'aime trop. Vous allez vous dire, non, mais elle est folle. Les tenues qu'elle nous a montrées là, c'est beaucoup mieux que ça. Mais ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la chargeur. Je sais pas pourquoi j'aime trop. Je pense que c'est les motifs qui font ça. Et vu que moi, je suis addict au jogging, j'aime trop, trop, trop les joggings. Je peux en mettre tous les jours. Donc voilà, j'aime trop cet ensemble. Dommage que j'ai pris, ben, je crois que j'ai pris taille S, mais j'aurais dû prendre plus grand. Parce que je voulais vraiment que ça soit oversize, vous voyez. Mais là, limite, c'est un collant le truc. Hein. Quand vous voyez ça, vous vous dites pas que c'est un jogging quand même. Parce que. Bon, j'avoue, je suis à l'aise, je peux faire des grands écarts, je peux sauter, mais enfin, c'est serré au max, ça se voit en plus que c'est serré et tout. J'aurais dû prendre au-dessus pour les joggings, mais je suis bête. J'ai voulu faire des trucs banaux, des trucs bizarres, voilà les retombées. En tout cas, l'ensemble, je l'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Si tu vas aller courir, si tu vas aller sortir, si tu vas aller, je sais pas, aller boire un petit truc avec tes petites copines ou je sais pas. Mais tu mets cet ensemble-là, mais c'est carré. Enfin, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Moi, les joggings, de toute façon, je suis inutile de me répéter. Les joggings, c'est mon truc. Et je sais pas s'il y a des gens aussi qui sont comme moi, qui regardent cette vidéo, si vous aussi vous êtes addict au jogging, mais cet ensemble-là, c'est... J'ai l'émotion, désolé. Oh là là. Je me suis désolée. Voilà, la prochaine tenue. Donc, oui, ça ressemble à la combinaison. Mais là, c'est pas une combinaison, c'est un ensemble. Du coup, c'est pas tout est collé. Donc, si vous aimez pas être compressé, parce qu'en plus, le problème des combinaisons aussi, c'est que si vous avez envie de faire pipi, que vous êtes pressé, ha, il faut tout enlever. Il faut tout enlever. Là, c'est bon, vous êtes libre, un peu. Voilà. Du coup, c'est un ensemble legging que j'ai pris, qui est super simple, mais super beau. Et en plus, c'est un indispensable dans vos garde-robes. Vous devez tous avoir un legging. Vous devez tous. C'est la nouvelle règle. Voilà, vous devez tous avoir un legging. Du coup, voilà le legging que j'ai pris, taille S. Cette fois-ci, j'ai pas eu de soucis à cause de la taille, bah, vu que c'est pas un jogging et qu'il faut pas que ça soit oversize. Voilà, ça arrive jusqu'au. J'ai failli tomber. Ça arrive jusqu'au pied. Ça arrive jusqu'au pied. Les manches, c'est bon. Ça, c'est fait exprès parce que c'est un top croc, du coup. Mais sinon, voilà. Et franchement, j'ai rien à dire sur la tenue. Donnez-moi encore une note, comme je vous ai dit. Notez-moi sur 10. Et vous avez intérêt à vous me donner une bonne note, hein, parce que voilà, je vois pas ce qu'il y a de mal dans l'ensemble. Leggings, c'est un indispensable dans toutes les garde-robes. Du coup, vous devez mettre une bonne note. Voilà. Vous pouvez mettre cet ensemble avec tout genre de basket. Voilà. Vous pouvez même mettre ça avec des talons si vous voulez. Si ça vous enchante, faites-le. Du coup, voilà pour le legging. Et regardez. Je vais rajouter ma petite touche. Pour moi, celle-là, c'est trop simple. Pour moi, là, c'est trop simple. Il faut rajouter la petite touche, Laura. C'est obligé. Du coup, voilà le Bombers. Le Bombers. Voilà le Bombers.
Du coup, il ressemble un peu à celui que j'ai déjà en vert. Mais là, je voulais prendre ce genre de tissu-là parce que c'est pas la même chose. Et franchement, je trouve que ça va. C'est pas ça va. C'est beau, hein? Non, c'est beau. Dites-moi que c'est beau. Non, mais la sapologie, oh là là. J'ai calé ça. Eh, mais dites-vous, j'avais même pas prévu de mettre enfin, cette veste-là avec cet ensemble-là. Mais ça va hyper bien. Ça rajoute un petit truc parce que c'était un peu trop simple, un peu trop sobre, noir comme ça. Et là, franchement, ça joue bien. Du coup, voilà un peu ce que ça donne. J'aime beaucoup la veste. Je l'aime trop. Regardez de plus près. Je vais vous montrer de plus près. Voilà le tissu. J'ai pris en taille S. Voilà. Regardez le tissu, comment il est. Donc, la combinaison, c'était exactement la même chose, hein. C'était ce genre de tissu-là. Donc, ça ne peut pas se déchirer. C'est impossible, franchement. Vous êtes super à l'aise dedans. Vous pouvez faire des gants, des écarts, des choses, des trucs. Vous êtes super à l'aise. L'hiver, ça va bientôt se terminer. On va bientôt rentrer en automne. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger. Ça va. En automne, vous pouvez sortir, vous pouvez mettre vos petits outfits, vous rajoutez cette veste-là. Et franchement, c'est parfait, hein. Prochaine tenue, voilà. J'ai pris un jean. Bon, le haut, c'est toujours le même haut que l'ensemble legging et voilà. Du coup, là, je viens juste vous présenter le jean. Le jean, il taille super bien. La qualité, c'est une qualité jean, hein. Quand je vous dis qualité jean, c'est vraiment qualité jean. Genre, c'est pas des blagues. Genre, c'est même pas un peu plastique ou un peu je sais quoi. C'est vraiment qualité jean. Genre, regardez par vous-même. Gardez par vous-même, genre. Mais ils m'ont pas déçu. Donc, ce jean-là, un peu effet peinture, je pense que vous avez déjà vu ce genre de jean-là. Moi, j'en avais pas. Du coup, j'en voulais un. Et j'ai trouvé cette pupute. En plus, genre en mode, c'est super long. C'est super long. Donc, il n'y a pas moyen que je grandisse et ça ne me va pas. C'est super long. Et je pense que c'est exprès, genre en bas, que ça fasse comme ça, quoi. Je sais pas un peu si vous voyez, mais voilà. Je vous montre un peu ce que ça fait derrière. C'est super bien et ça taille super bien. Le jean, il porte chaud. C'est pas un jean léger, qualité bizarre. Non, franchement, c'est un beau jean. Un très très beau jean. Donc, franchement, je suis super pas déçue. Un peu déchiré. Voilà. Prochaine tenue. Bon, c'est pas vraiment prochaine tenue. C'est juste le pull que je viens vous présenter. Donc, c'est un pull basique. Hein. Franchement, un pull oversize que vous mettez quand vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Vous voyez, il y a des jours où vous êtes fatigué. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, de prendre un t-shirt, de prendre un haut, un top croc, tout. Vous voulez être juste à l'aise, juste le mot à l'aise. Vous voulez être à l'aise. Prenez ce pull-là, vous le collez avec un jean comme je l'ai mis, ou un legging, ou un jogging même. Pff, franchement, comme vous voulez. Et ça va. Donc, un pull oversize avec des petites écritures roses. Donc, comme ça, c'est pas tout gris. Vous avez une petite touche qui sort un peu du lot. Et voilà. Donc, le pull, il est vraiment. T'es à l'aise dedans. C'est pas un pull. Parce qu'il y a des pulls là, vous êtes compressé dedans. Normalement, les pulls, c'est censé être. T'es censé être à l'aise dedans, mais les pulls, ils sont devenus compressés. Là, c'est un pull, il est bien, le pull. Franchement, il est bien. Rien à dire. Simple, efficace, rien à dire. Mais Laura, comme je vous ai dit, elle aime pas les trucs simples. Elle est obligée de lui rajouter des trucs, des choses. Regardez un peu avec quoi je vais le mettre. Je pense que j'ai mis à l'envers. La fameuse doudoune sans manches que tout le monde aime. Voilà, doudoune sans manches, noire, basique. Comme on est bientôt en automne, on va pas mettre des grosses doudounes parce que enfin, il fait froid, mais il fait pas vraiment froid. Du coup, vous habillez comme ça, vous sortez et le froid il va pas vous frapper, hein. Non, il va pas vous frapper. Le froid il va pas vous frapper. En fait, c'est vraiment qualité doudoune. Non. Rien à dire sur. Sur le petit, la petite doudoune sans manches. Donc, franchement, rien à dire dessus. Elle est courte. Franchement, le modèle que je voulais. Et le modèle qui est en tendance en ce moment. Donc, n'hésitez pas à la prendre aussi. Franchement, c'est vraiment un 10 sur 10. Là, c'est moi-même, je me note. Hein. Non, mais désolé. Là, on arrive à un point où c'est moi-même, je me note. Du coup, cette doudoune, un 10 sur 10. Prochaine tenue! Prochaine tenue! Allez, prochaine tenue! Allez, prochaine tenue! Allez, prochaine tenue! Regardez par vous-même! Et la robe est fantastique!
La robe est magnifique. La robe est rien à dire. Allez, Toleka. Elle est super longue, hein. Non, mais regardez. Regardez, jusqu'à j'arrive pas à lever le pied. Non, il est long. Attendez, je saute. La robe, elle est super longue. Elle est super longue. Donc là, si on voit un petit 18 degrés dehors, franchement, on peut la mettre avec une petite doudoune. La petite doudoune sans manche que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va le faire, hein. Ça va le faire. Je suis désolée, ça va le faire. Regardez comment elle est belle. Non, mais attendez. On parle pas, on regarde juste. Parce que là, j'ai l'impression que c'est moi, je suis folle. La couleur, j'aime trop. T'es à l'aise dedans, juste en haut. Hein. Évidemment, t'es à l'aise dedans, juste en haut. En bas, tu peux pas faire le grand écart parce que vu qu'elle est longue, elle arrive vraiment jusqu'au pied. Genre, elle est longue et tout. C'est super bien. Elle est super belle, la robe. J'aime trop la couleur, surtout. Vu que moi, mon truc, c'est les robes noires et tout. Vous voyez, quand vous voulez sortir de votre zone de confort, les robes comme ça, c'est super parfait. Hein. C'est parfait. Elle est beige, elle est pas prise de tête et tout. Elle est super bien, la robe. Non, franchement, elle est super belle et tout. J'ai pris ça en taille S. Bonne taille. Parfait. Rien à dire. Comme je dis depuis tout à l'heure, rien à dire. Prochaine tenue. Donc, voilà. Un petit ensemble encore, mais un ensemble original. Un ensemble pas comme les autres. On vous a dit, on ne veut pas être comme les autres. Non, non, non. Donc, il y a cette pièce-là. Donc, c'est un débardeur. Clairement, c'est un débardeur. Il y a cette pièce-là, un pull. Mais un pull que sur les manches, là, il n'y a rien. Dans ma garde-robe, du coup, c'est une première. Et j'aime bien. J'aime bien. J'ai pris ça en taille S. Cette fois-ci, le jogging, il est plus oversize que l'autre jogging dont j'avais un problème de taille. Ce jogging-là, franchement, aucun problème de taille. Donc, je pense vraiment que c'est le jogging-là qui est comme ça. Il est comme ça, mais je ne savais pas. Donc, voilà quoi. Donc, la qualité, rien à dire. Le tissu, rien à dire. C'est pas j'ai mis, j'ai entendu un crack. Non, il n'y a rien eu. Moi qui ai eu peur des vêtements d'AliExpress. Donc, franchement, si vous voulez faire vos petits achats sur AliExpress, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quiproquo. Allez-y. Il faut juste se méfier des vendeurs parce qu'il y a plusieurs vendeurs sur AliExpress. Donc, voilà. Regardez les avis et tout. Et franchement, rien à dire. Comme moi, je vous ai présenté des trucs, il n'y a rien eu sur mes vêtements. Hein. Quand j'ai mis, ça n'a pas craqué. Il n'y a rien eu. Donc, voilà, n'hésitez pas à commander aussi, à faire un tour chez la boutique. Donc, vous allez voir ce qui va vous plaire et tout. Donc, c'est sûr, vous allez trouver votre bonheur dedans. Donc, déjà, parmi les vêtements que je vous ai proposés, c'est sûr, vous avez vu un petit truc. Ah, ça, j'aime bien. Vous êtes dit ça, c'est sûr. Je mettrai tous les liens de mes vêtements en barre d'infos. Donc, j'espère que ce haul vous a plu. Malgré j'étais toute seule. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu en commentaire. Vous likez, vous partagez, vous abonnez. Vous abonnez aussi sur nos différents réseaux sociaux que je vous mettrai en dessous, comme d'habitude. Bisous.